Yep, 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 tout le monde, ici Alex Vic pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour cette carrière avec les Vikings. En attendant la sortie de Madden 16. Donc voilà, pendant que je suis en vacances, épisode tous les jours, le temps de mes vacances, de cette petite série. Donc c'est parti, on va jouer aujourd'hui contre les Pats après avoir gagné un match un peu compliqué au début contre les Rams, mais qui s'est bien sûr conclu par une terrible victoire de notre part. Alors ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de mettre les matchs un peu plus longs, que je puisse peut-être développer un peu plus mon jeu. Donc on va mettre en 8 minutes, et on va peut-être mettre en minimum clock 15, du coup on va baisser un petit peu le minimum clock. Ok, et donc on va être parti. Alors on va essayer d'avoir la même défense, donc de toujours très bien développer notre défense. Alors je vais juste m'assurer d'une chose, c'est qu'il a bien sauvegardé mes paramètres au niveau de ce que fait le computer. Donc j'ai tout mis en off, c'est parfait. Qui m'augmente pas mes joueurs automatiquement comme ça a pu le faire le week dernier. Et donc là on va pouvoir partir. Le game prep a été fait la dernière fois. Season game contre les Pats. Match compliqué normalement, passe grosse équipe dans le jeu, hein. Ça risque d'être un peu difficile, mais on va essayer de leur mettre une bonne branlée, on aime ça. Et puis voilà, pour ces derniers quelques matchs avant la sortie de Madden 16, c'est tipard. Alors les Pats qui sont à 87 d'overall, ça reste une bonne moyenne. Une équipe assez polyvalente avec de très bons joueurs, un Tom Brady explosif. Donc voilà ce qui nous attend. On est juste un peu déconcentré, je vais peut-être lever un peu la caméra comme ça, voilà. Voilà. Bon, sinon, quoi de beau vous? Quoi de beau, hein, pour cette troisième vidéo. Donc 3 jours, ça fait 3 jours que je serai en vacances là. Donc je penserai à vous les deux pieds écartés dans la piscine et tout. Voilà. J'espère que vous, en tout cas, vous avez tous passé de bonnes vacances, ou que vous allez en passer, ou que vous êtes peut-être en vacances au moment où je vous parle. C'est très important les vacances d'été, hein. Ça permet d'avoir un peu de soleil, surtout si vous restez en France. Il y en a qui ont la possibilité, voilà, au mois de février, vers décembre, tout ça, d'aller dans d'autres pays, prendre de la chaleur. Chose qui n'est pas possible pour tout le monde, malheureusement. Julian Edelman, un joueur assez bon. Julian Edelman, un joueur qui a été pris en FA ou dans les derniers tours de la draft lors de son année de choix. Et qui est plutôt un bon coup parce que très bon joueur au final. Qui est un des joueurs qui a fait gagner le Super Bowl aux Pats la saison passée. Et oui! Eh oui! Oh non, tu veux pas te faire avoir là-dessus, Moonerline! C'était Moonerline. Ouais, c'était Moonerline. Je sais pas ce qu'il a. Ah, c'était de la manne, ouais. Du coup, il s'est fait enrhumer là-dessus. C'était pas ouf. Alors, on va jouer une manne avec les safeties sur les extérieurs. Allez! Et le pic! Le pic de Exum Junior. On a bien fait de le mettre, je vous avais dit. Oh non, j'étais gêné. Sinon, j'aurais pu prendre un gros gars. On va la garder. Putain, je suis encore gêné. Mais ça prend le first down normalement. Ah, je déteste les changements de direction dans le jeu. Ok, 3 rushs, 15 yards pour AP. Pour l'instant, c'est de la manne, on est tellement bien. Sinon, fuck it. Bah, c'est pas de la manne. Et ça pue la merde! La défaite! Je sais pas pourquoi j'ai forcé ce lancer. Ah là, j'ai juste été nul. Voilà, j'ai été bête en fait. J'aurais dû attendre et peut-être me prendre le sac. Et au final, je sais pas. J'ai dit Inch'Allah. J'ai appuyé sur le bouton, la manette a dit Inch'Allah. Ça a pas marché du coup. Ah, fait chier. C'est vraiment le typical interception de merde, quoi. Ça m'énerve quand je fais ce genre de pic.
Parce que je la lance et je sais très bien que je vais me faire intercepter, mais je la lance quand même. Je suis têtu comme une mule. Ah! Très bien joué. Brady est chiant. Brady est chiant dans le jeu quand vous le jouez en CPU parce qu'il fait souvent les très bons choix. Et c'est vraiment très dur de pouvoir l'intercepter. Allez! Everson Griffin! Attends, Emerson ou Everson? Je sais plus. On va essayer de prendre Kendrick là-dessus. Oh l'enfoiré, je l'avais vu! Heureusement, ça prendra pas le first. Allez, allez, right! Eh oui! Je l'ai vu! Je l'ai vu qui prenait le dessus sur cette zone. De trouver une cible contre un safety comme ça. Putain, mais il est rapide en vrai, Bridge Water. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mal de courir près de la touche quand vous courez avec un QB et que vous voulez pas vous coucher. Parce qu'au moins si vous sortez y a de gros, et que vous faites un quoi, si vous faites un fumble, il y a de grandes chances que la balle sorte et que ça vous sauve la mise. Donc là logiquement oui le gros blitz. Hop, on va essayer de se servir du. Vous avez vu, il a pas bloqué hein, ce. Je sais pas c'est qui a pas voulu bloquer chez moi là, mais il voulait que je meure. Allez une draw, là il y a de grandes chances qu'on se fasse stopper quand même. Bah, ça passera au final. Grâce à AP, on prend l'avantage sur nos adversaires. 7-3. Ah putain, je suis trop deg en fait de mon interception. Maintenant que je me le dis, je m'énerve quand je fais ce genre de lancer tout pourrave. Blitz, le blitz. Merde. Eh, j'étais un petit peu trop chaud, je pense. J'étais un petit peu trop chaud bouillant. Et du coup, on va se prendre le flag, mais bon, qui devrait être décline vu le nombre de yards qu'a pris. La Garrett Blount. Boum shakalaka! C'est qui ça? C'est Kendrick. Ce middle est trop chaud en vrai. Hein. Ce rookie middle est trop trop chaud. Et allez, j'ai confiance en mes DB. Ok, heureusement Brady s'est chié parce que je crois que c'était Edelman qui avait mis à l'amende mon corner. Oh, pas mal ça. Pas mal le petit juke move pour sortir de la merde. Allez, Wallace. Allez mon Wallace. Ah, il a manqué le petit lancer magique de Bridgewater malheureusement. Oh non, mais non. Mais si! Mais bien sûr que si! C'est ça la folie les gens. C'est être déçu de son lancer pour au final faire une bec d'action. Ça c'est de la folie. Ah j'ai forcé là un peu hein. Mais j'étais à la choper en face catch. Et par contre, je pense qu'il faut qu'on parle du hit. Ça pourrait passer là. Putain, je suis freiné dans mon élan. Le truc que j'arriverai pas à faire, mais on va quand même la tenter. Je vais me faire intercepter. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Ah, quoique ça peut passer. Voilà! Et voilà! La folie! Genre le mec s'en bat les couilles quoi. C'est vas-y, je m'en fous. Vas-y, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Alors, Griffin en user, on est des ouf. Et le sac de Exum Junior qui fait un gros match avec une interception, un sac pour l'instant. Voilà, full back dive. Nous, on va prendre notre temps mort. Il nous restera 45 secondes pour marquer. On va essayer de faire comme au dernier match, avant, marquer juste avant la mi-temps. Et ben, on va jouer dessus! Oh non, mais c'est pas possible! Ça fait deux fois que je me fais niquer comme ça. Tu ne te bats pas assez pour la balle, je pense. C'est là est le problème. Oh là là. Oh là là, c'est un miracle. C'est un miracle. Cette passe qui arrive à comment on dit? Qui arrive à destination, voilà. Alors en fait, je me suis fait hit au moment de lancer la balle. Ce qui a fait en fait je visais lui. Voilà, je voulais lui faire une passe tendue vu qu'il était tout seul en dernier recours. J'étais gêné. Ça fait une passe intérieure. Ça tombe bien, il partait intérieur. Et là, le catch, c'est notre fullback Presley là, ouais. Presley, très bien, ça a très très bien joué de ma part, tout était prévu, bien entendu. Allez, c'est le dernier snap, c'est le dernier snap les gens, on tente le tout pour le tout. Le catch à une main qui ne passera pas, c'est ça la folie des gens. Putain, par contre, il y a les moustiques qui rentrent. Ça pue la merde parce que je suis allergique. Donc, ce serait vraiment chiant de se faire piquer, je vous le cache pas.
Allez, le slash. Putain, pourquoi je suis gêné à chaque fois sur mes courses? Je pourrais gagner tellement plus de yards. Mais on va quand même la faire. Oh putain. Ah! Ah! Merci Bridge. Ok. Cordialement. À plus en LAN. Oh le bâtard. Oh le gros bâtard de merde. Sur les 1 yard, il me prive du TD, putain. Oh oui. Oh là là, Bridgewater, le génie! Le génie! Alors là, j'y suis pour rien, vraiment. Bridgewater, meilleur QB rookie de la saison. Eh oui, c'est ce qui s'est passé en vrai et c'est ce qui va se passer dans le jeu. Bien sûr, les gens. Et encore une fois sur Jarius Wright, qui va être notre meilleur receveur pour l'instant cette saison. Et qu'on va prendre Exum Junior sur Gronkowski. Oh là là, cette défense parfaite. Est-ce que vous avez vu ma couverture sur Gronkowski? Ça, c'est du user, les gens. Ça risque d'être très 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 dégueu. On risque de se prendre le first, mais j'ai envie d'essayer. Ça s'appelle la folie. Et au final, c'est plutôt mignon, hein. C'est plutôt mignonné. Ça passera pas. Mais la folie. Bon, c'est juste parce qu'il est cheaté, hein. C'est juste parce qu'il est cheaté que c'est passé. Johnson, si tu te libères là-dessus, t'es un beau gosse. Mais j'ai fait nimp! Oh, j'étais tellement tout seul sinon. Putain, c'était tellement simple à catcher. Comment je peux rater mon user comme ça? Voilà, là par contre, voilà, j'ai fait deux grosses conneries dans ce match. Ne faites pas ça chez vous. On leur met une putain de pression, hein. Eh, Brady. Brady a fait dans sa culotte, hein. Brady fait dans sa culotte. Qui a pas fait encore de grosses, grosses plays depuis le début de la saison. J'étais obligé. Putain, j'évite le sac. Si je complète cette passe après, c'est encore une fois une très belle action de Bridgewater. Nice. Bon, peut-être pas quand même. Voilà, Peterson. Putain, c'est de la manne, fait chier. Oh oui! Oh oui, Stéphane! Stéphon Diggs, baby! Stéphon Diggs, le rookie pour son premier TD. Ah, il a des moves. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il a des sacrés moves. Ah, le spin, les deux spins qui sont passés. Ah, le deuxième était un peu chelou, je sais pas comment l'autre j'ai pu l'enrhumer avec ce spin. Mais en tout cas, ça passe sur une bubble un peu incroyable. La vitesse en plus, il a quand même 90 en vitesse, ça reste pas mal. C'est nice ça! Putain! Tommy, il peut rien faire. Il ira chialer dans les bras de Gisèle, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah putain, je me suis chié sur l'user. Fais-moi l'appeler, mon gars. Ah, je l'avais vu, putain. C'est qui le 83? Voilà. Le pick 6 cette fois-ci. Le sac de Linval. Good job. J'aime ça, putain. Ça qui est bon. Allez, Dren, est-ce que tu peux me faire une bonne course là? Oui! Eh bien. Oui! Mais bien sûr! Tellement cheaté, Peterson. Putain, même pas. Faut que j'arrête avec mes spins, faut que j'arrête. Jarius Wright, baby! Jarius Wright! Merde, 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 j'ai fait la grosse merde. Bon, ça va. Oh là là, mon Dieu! Oh, les pauvres. Oh, le pauvre Brady, quoi, qui prend tellement cher. Oh, le pauvre Brady. Ok. C'est y part. Oh oui!
Oh putain, mais faut que j'arrête avec mes spins. Faut que insultez-moi. Lors du prochain épisode. Ok. Ah, voilà. Bon, c'était pas hyper cool. Je pensais faire un truc meilleur, mais c'est passé. En fait, c'est un petit juke move. Vous faites juke move et vous enchaînez directement avec un arc de cercle pour faire un spin juste derrière. Donc ça fait, vous stoppez en arrière et directement un spin derrière. Je trouve ça plutôt intéressant comme style style d'esquive. Voilà, bon, on est pas mal. Alors les stats, non, pour moi le MVP, hein, je l'ai déjà, hein, j'ai pas besoin de regarder les stats. Je pense que vous l'avez déjà aussi. 84 de rating pour Bridgewater, c'est pas ouf. 60% de passes complétées, 270 yards, 2 TD, 2 interceptions. Niveau rushing, on a Peterson qui nous met 1 TD, 115 yards pour 21, 21 courses. Merde, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Ensuite, réception, on a Jairus Wright, 2 touchdowns, 169 yards, 7 réceptions. Ensuite, on a Peterson avec 5 réceptions, 33 yards. Qui d'autre on a? Attendez, on va se mettre juste avec les Vikings. Charles Johnson, 2 réceptions, 25 yards. Presley, 12 yards. Et Mike Wallace, 15 yards. Avec une belle réception, malgré tout. Blocking, on se prend un sac à cause de l'Odolt. Ok. Niveau des plaquages, pas ouf. En fait, tout le monde a fait pas mal de plaquages. En même temps, ils ont pas vraiment drive les pauvres Pats. Et notre meilleur joueur, je pense, ça va être Exum avec son interception, son sac, son tack for loss et ses trois plaquages. Ça reste des bonnes stats. Défensif surtout pour un rookie. Voilà, donc pour moi, MVP de ce match, Jairus White. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir avancer la week et je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode 3 du coup et ce week 2. Parce que oui, il y avait l'introduction, voilà, où on avait fait notre recrutement et nos cuts qui comptaient comme un épisode. Alors, très rapidement, hop, on va avancer la week direct. Je pense que Wright va gagner vraiment pas mal de points d'XP. Et on devrait pouvoir l'augmenter d'ici peu. Lui augmenter un peu ses stats, surtout ses stats de catching, je pense, parce qu'il a pas besoin forcément de vitesse ou d'esquive, ce genre de choses. On va voir ça. Alors on va simuler le game prep. Ah mais il l'a pas fait maintenant. Attendez. Ok. Et8000 points! On a gagné 8000 points. Exum 4000. Sullivan il a 2000. Et Rousse à 1233. J'ai bien envie de lui mettre directement. Parce que 8000 points, c'est quand même pas mal. On peut les dépenser directement, je pense. Alors là où il est un peu faiblard, ça va être le route running. On va le mettre à 80 au moins, je pense. Il est monté à 79 d'overall. Le release, il est pas bon, putain. On va le blinder. On va le monter à 62. Voilà! Ça commence à avoir de la gueule. Ça a catching traffic 80, ça reste pas mal. Catching 83 aussi. Le release, il faudra vraiment l'augmenter. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'élusiveness peut-être un peu plus tard. Et c'est un peu tout. Hein. Le reste pas très important. On va essayer d'augmenter, je pense, du coup. Release, route running, catching traffic. Et puis le catching. On devrait le monter à 90 d'overall avant la fin de la saison, je pense. Et on avait qui d'autre qui avait beaucoup de points? Il y a Exum Junior aussi. On va lui augmenter un peu. Il est bon en man, bon en zone. Plaquage. On va le monter à 65. Il reste 2800 points. Player recognition, il pue la merde. Block shading aussi. Player recognition, c'est une des stats les plus importantes pour un safety. On va les monter à 69. Chiffre du plaisir. Ok. Donc là on est bon prochain match contre les Saints si je dis pas de conneries, si j'ai bien vu, ouais, c'est ça qui sont à 1-1.
Alors si on regarde un peu, on a Peterson qui est premier de la NFL en course avec 232 yards en deux matchs. Griffin avec 4 sacs qui est deuxième. Derrière Lamar Woodley, 7 sacs, bordel de merde. Watt qui est cinquième de la NFL avec 2 sacs. Et on a Wright qui est onzième de la NFL avec 205 yards à la réception. Donc ça reste des stats plutôt pas mal. Bon les gens, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous embrasse, à demain, ciao. On va tenter la folie, je crois. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Ah, White. White. Go, man. Ah, il a...